Accueilli solennellement au bureau de la cité de Sangue par le chef de cité, Matabishi Nyange, le docteur Espoir Kamanda Dolphé, en visite de courtoisie et civilité, a présenté ses vœux de meilleur aux autorités locales de la cité de Sangue, territoire d'Ouvira dans la province du Sud-Kivu. Les habitants de la cité de Sangue, en territoire d'Ouvira, ont répondu massivement à la conférence de débat tenue ce vendredi 7 janvier 2022 par le docteur Espoir Kamanda Dolphin dans la salle de guest house Fouraïcha pour discuter à propos du développement de leur entité. En présence de différentes couches de la population, les activités ont débuté par l'hymne national suivi de la présentation des participants dans cette assise par le chef de cité de Sangue en la personne de Monsieur Matabishi Nyange qui a manifesté un accueil chaleureux devant une foule immense qui est venue écouter le nouveau docteur Espoir Kamanda, fils du terroir. Prenant la parole, le docteur Espoir Kamanda, son speech était axé sur le développement de la cité de Sangue, nécessite la mise en œuvre des deux binômes, entre autres le volet sécurité, développement et énergie, développement. Ces dernières s'imposent lorsque les habitants parviennent à prendre conscience en mettant en avant les intérêts communautaires tout en cultivant la culture de la paix et l'instauration d'une sécurité. C'était important pour nous de développer cette thématique qui concerne les binômes sécurité-développement. Nous avons aussi parlé du binôme énergie-développement. On a pu parler à la population de Sangue que le moment est là pour qu'on puisse parler développement de notre cité. Alors, on ne peut pas mener un processus de développement là où il n'y a pas la paix et la sécurité. Donc, c'était beaucoup plus important pour nous de leur montrer que c'est nécessaire que nous puissions conserver ces acquis parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence, tout le monde connaît qu'aujourd'hui, la situation est en tout cas calme à Sangue. Alors, c'était pour nous l'occasion de leur dire qu'on doit continuer comme ça pour que demain, il y ait des grandes entreprises qui vont venir ici et explorer ou exploiter le potentiel que détient la cité de Sangue. Deuxièmement, nous avons pu leur dire qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Parce que s'il faudrait que les entreprises viennent à Sangue, ces entreprises doivent nécessairement fonctionner avec de l'énergie. Donc on a développé cette thématique et la population nous a compris en tout cas. Les habitants de Sangue n'ont pas caché leur joie et ont remercié le docteur pour cet acte charitable qu'il a manifesté pour aider la population de Sangue à sortir du sous-développement. Ces habitants ont montré leur besoin de renforcement des capacités en économie du développement. Tunashukuru papa docteur Espoir kwa mchango uliweza kutuletea hapa kwetu kusitea ya Sangue kama vile mtoto mzaliwa wa hapa kwetu Sangue. Wakati ulienda ukasoma, uliona kama yale masomo uliweza soma, isiweze tu kuishia fashi ingine, ulipashwa kuileta hapa kwetu, makusudi tuchangie na kuweza kuendelesha hii site yetu ya Sangue kama vile fashi uliweza kuzalika. Tunakushukuru sana kwa hiyo moyo mwema wa upendo ya kuweza kubadilisha yale masomo ulisoma kwa kuweza kuendelesha mji wetu wa Sangue kupitia maendeleo mbalimbali. Yenye napenda kwa dokta ni kusema kama anapaswa kuendelesha kutupatia mafundisho kwa ajili ya kufundisha wengine wenye hawezi jua namna gani wanaweza kuendelesha mjini yetu. Kupitia ile mafundisho yake itatusaidia kwa kujua kuendelesha kazi mbalimbali wakati tuko na kazi, na vile vile itakuwa inasaidia kuchangia kwa amani ya mjini yetu. Juu hapa tukishakuwa na entreprise ya kabambi itakamata wabiana wa mingi, na wale wa vijana watapata kazi ya kutumika, na wakati wa vijana wako na kazi ya kutumika tunaona kama vile vile amani inaendelea ndani ya site yetu ya Sangue. Espoir Kamanda iko daktari wa kwanza kufika kufanyisha conference sawa hii. Tuna wa daktari wengi wa vijana wengi sana wa kwetu wa Kiflame, lakini hatujawahi kupata mtu mwenye atakuja hapa sensibilize watu, aeleze watu, wasikilize watu. Tumemfurahia sana kabisa, tumesema Mungu amubariki kabisa kwa kazi iko nafanya. Le chef de cité de Sangue, Matabishi Nyange, a recommandé au docteur Espoir Kamanda de penser au recyclage de jeunes membres du comité local de développement du quartier pour aider la cité de Sangue à se développer. De ma part, en tant qu'autorité locale, ce que je peux dire, c'est de remercier d'abord cet acte louable de monsieur du docteur Espoir, parce qu'il a compris qu'il est enfant de Sangue, il est congolais, il est natif du territoire d'Ouvira et il est revenu avec tout ce qu'il a acquis comme atout
après une longue période de la formation. Ce que je peux donner comme point de vue, c'est les différentes recommandations que j'ai données au docteur après l'avoir écouté, d'intervenir dans le domaine du développement pour appuyer et aider Sang à avancer. Vous savez que Sang, c'est une entité qui est derrière sur le plan développement, maintenant qui a besoin des hommes comme Espoir, qui ont des initiatives. Pour cela, je dis, nous l'accueillons, nous avons aimé son débat, nous avons aimé son intervention et nous l'avons recommandé de revenir pour former, encadrer les cadres de Sang et les différents comités, surtout nos comités de développement dans nos différents quartiers, aussi les comités de développement dans la cité, mais aussi dire à Espoir que, qu'aujourd'hui ça ne soit pas la dernière fois, c'est la première fois et que les portes sont ouvertes dans la cité de Sang pour l'écouter, en fait d'aider Sang à avancer dans les domaines du développement, aussi dans les domaines sécuritaires. Signalons que l'activité s'est clôturée par un cocktail et une agrémentation musicale suivie d'une joie immense.